Bonjour, bienvenue sur Je suis née trois fois. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Anne Compagne, qui est praticienne en médecine énergétique chinoise. Anne, boire de l'eau, ni trop, ni trop peu, des conseils ? Alors, avec l'éclairage de la médecine chinoise, c'est vrai que pour les Chinois, boire 2 litres d'eau, qu'on entend souvent qui est nécessaire en Occident, 2 litres d'eau par jour, pour eux est très bizarre. C'est très bizarre. C'est-à-dire que l'eau est tout de suite, quand elle arrive dans l'estomac à jeun, est tout de suite portée à être digérée par la rate et le pancréas. Rate-pancréas, en énergétique chinoise, c'est la terre. C'est-à-dire que c'est un travail qui est énorme, surtout qu'en plus on boit de l'eau glacée. Alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire que l'eau est obligée d'être réchauffée par le système, notre système, qui est à 37 en général. Donc c'est très lourd. Donc boire beaucoup d'eau n'est pas du tout conseillé. Pendant les repas, on ne boit pas pendant les repas, ni avant, ni pendant. Par contre, on peut boire un petit peu si jamais on a un repas qui est très sec. Enfin, voilà. Alors, l'intérêt de cette vidéo, ça me paraît vraiment important, bah, c'est de se dire que plus nous avançons, plus nous entendons des « il faut »,« yaka ». Peut-être c'est aussi écouter ce qui est juste pour vous. Voilà, Anne vous offre un éclairage peut-être nouveau, peut-être différent. Et c'est écouter comment ça vous parle, comment c'est juste pour vous aujourd'hui. Et voilà, peut-être nous avons été élevés avec certains dogmes, certaines croyances. Et ouvrir à de nouvelles connaissances, c'est s'autoriser à entendre un nouveau discours. Alors dans la collection « Nouveaux discours », de l'eau chaude alors ? Alors de l'eau chaude, évidemment, puisque la température du corps est déjà à 37. Quand on va manger, par exemple, si on veut boire un peu, on peut boire de l'eau qui est chaude ou tiède, puisqu'on va faciliter la digestion. Au lieu d'avoir de l'eau en quantité qui va agrandir le bol alimentaire, donner des difficultés de digestion, puisque la rate et le pancréas qui sont là, c'est l'énergie qui va digérer, faire la digestion. Donc là, vous donnez un énorme, l'estomac est rempli d'eau, en fait, ça, c'est pas du tout correct. En fait, on alourdit sa digestion. Et en plus, l'eau, les quantités d'eau, moi personnellement, je vais vous dire, je bois 2 verres par jour, ça me suffit amplement. Et je sens que si je bois beaucoup trop d'eau, ça m'alourdit l'estomac et c'est très pesant. Donc je ne sais pas d'où vient cette idée, soi-disant que ça rince, mais ça rince pas du tout. Regardez ce qui est juste pour vous. Et l'eau chaude, c'est matin, midi, soir ou c'est que à certains moments ? Alors déjà, votre corps il sait ce dont vous avez besoin. Bon, ça c'est une règle. Santé, si ça vous fait du bien, vous pouvez prendre de l'eau chaude le matin, si c'est quelque chose qui vous fait du bien en vous levant, mais ce n'est pas une obligation. On a oublié d'écouter son corps, on écoute l'extérieur. On écoute, c'est on fait ci, il faut faire ça, ça c'est bien, mais vous, comment vous ressentez quand vous mangez? Vous savez ce qui est bon pour vous ou pas? Alors là, c'est je mets un bémol. J'ai fait une expérience il y a quelques années. Oui. Voyez-vous, je revenais d'un stage. Et nous avions tenté d'écouter nos besoins profonds et de manger ce dont nous avions besoin. Et je suis rentrée à la maison, et à l'époque, il y avait 2 petites filles à la maison. Et j'ai dit, écoutez les filles, le week-end prochain, vous allez écouter ce que votre corps vous demande. Et vous allez vraiment choisir ce qui est bon pour vous, ce qui va vous nourrir, pour grandir, pour voilà. Et je dirai rien, puisque c'est vraiment votre corps qui va vous le dire. Ah bah alors là, j'ai été servie, hein. Donc, tous les bonbons de la maison y sont passés. Tout ce qu'elles ont pu boire de sucré. Oui. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi jusqu'au moment où, qu'est-ce que j'écoute à l'intérieur de moi? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais j'arrive pas à boire de l'eau chaude, ça me dégoûte. Bah oui, mais c'est comme tout. Peut-être j'ai pas l'habitude, peut-être je connais pas. Oui. Peut-être, voilà, donc, je suis tout à fait d'accord avec Anne. Mais, juste, voilà, la question c'est quelle part de vous vous écoutez. Donc je vous invite vraiment à oser expérimenter. Moi je trouve que l'eau chaude, il y a vraiment des vertus et des bienfaits étonnants. Il y a des vertus de garder en fait l'énergie de notre corps. C'est vraiment la base. C'est-à-dire que l'eau chaude, quand on va avoir envie de boire, prendre l'eau de température ambiante ou de l'eau chaude. Et ça c'est comme on ressent. Vous avez des personnes qui vont avoir un tempérament
froid, un tempérament plus yin, plus rafraîchi à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont avoir besoin peut-être de prendre de l'eau chaude. D'autres qui sont toujours réchauffées vont avoir besoin d'eau plus fraîche. Donc, c'est vraiment à écouter ce qui nous fait du bien. Ça, on est capable de le faire, c'est un apprentissage. Mais en même temps, boire des quantités d'eau, c'est pas du tout... En plus, si vous prenez de l'eau, alors là, si on part dans l'eau très minéralisée, vous allez... Tous les minéraux vont partir, puisqu'ils sont inorganiques. Donc là, on part sur un autre sujet, mais c'est quand même intéressant d'avoir cette notion. Et si vous prenez une eau qui est peu minéralisée, à ce moment-là, là, vous faites un nettoyage. Mais encore une fois, on n'est pas un moteur de voiture. Donc, ce n'est pas en rinçant la bouteille que vous allez, ou les tuyaux, que vous allez... Au contraire, on garde tous les grosses molécules, les minéraux vont rester à l'intérieur. Et il faut qu'ils soient filtrés par les reins. Donc, on s'affaiblit, on affaiblit les reins. C'est pour moi, enfin pour la médecine chinoise, c'est une erreur grossière de boire de l'eau. Moi, je ne pourrais jamais avaler boire trop d'eau. Voilà. Donc, nous allons terminer sur Lao Tzu, comme ça, oui. Tout le monde est d'accord. Lao Tzu, ni trop, ni trop peu. Je vous invite à trouver l'équilibre pour vous, de ce qui est juste pour vous, de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Faites l'expérience. Jetez-vous à l'eau. Voilà. C'est ça. À très bientôt sur Je suis née trois fois.